pour des saints joyeux Noël. Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est toute une tempête qui s'invite juste avant le réveillon dans l'est du pays. Deux systèmes, en fait, vont fusionner au-dessus de l'Ontario et du Québec pour donner un mélange assez explosif de précipitations. D'abord, beaucoup de neige dès cette nuit qui se transformera en pluie demain, le tout accompagné de forts vents, ce qui pourrait provoquer des pannes. Bref, de quoi bousculer les plans pour Noël de bien des gens. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite pis j'avais fait quand je revenais de passer trois heures dans un igloo qu'on avait fait deux ou trois gars chez Guirondou. J'ai devant les yeux quand je suis heureux une sorte de jeu qu'on avait eu, une sorte de grange avec des bœufs. La même année où je suis passé et le temps des fêtes avec sa tête une sucre d'orier, parce que je voulais me faire passer pour un Garvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avait habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout de petits cuits frères. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. Puis d'y parler, fais des étoiles, j'peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien au sang des sept, j'l'ai échangé contre des photos où on voit rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. Et il y a aussi bon, les autorités qui recommandent aux gens là, d'être très prudents sur les routes dans les prochaines heures, prochains jours, et aussi de dégager tant que possible son entrée en vue de faciliter l'accès aux véhicules d'urgence si nécessaire. On peut les écouter. Si vous le pouvez, partez avant la tempête ou après. Et si vous devez absolument partir durant la tempête, assurez-vous d'avoir votre cellulaire chargé, de l'essence dans votre véhicule, d'avoir une trousse, des couvertures, des vêtements chauds, de l'eau.